Allez, bienvenue dans Débat FAC Marseille. C'est le mardi, c'est 15h30. On se retrouve. Vous, vous posez vos questions, vous balancez vos thèmes. On essaie d'échanger. J'essaie de lire un maximum de commentaires. Et euh, voilà, on va parler tranquillement de l'OM. Euh, à deux jours d'un match euh, synonyme d'une possible qualification pour les quarts de finale de Coupe d'Europe, ce qui est plutôt pas mal. Euh, J'espère que vous allez bien. Vous avez la forme. Ikito est là. Le Bibs est là. Bienvenue, les gars. Mister dit et là aussi. Euh, merci, merci d'être là. Euh, Est-ce qu'on doit faire tourner jeudi C'est une bonne question, Equicto. Tu rentres directement dans le vif du sujet. Euh, C'est une question que j'ai envie de vous poser aussi. Euh, je pense qu'on peut pas trop faire tourner. Moi, je, je serais plus pour rester quand même sur une équipe assez, euh, assez proche de, de l'équipe type. Après, tu peux quand même euh, changer un ou deux postes. Euh, je pense qu'un mec comme Aubameyang, qui a beaucoup enchaîné, je le mettrais peut-être sur le banc en mettant Mumbania titulaire. Euh, Est-ce qu'un joueur comme Harid, je le ferais pas un peu souffler Peut-être. Mais je garderais par contre l'ossature défensive avec les bons latéraux, Klos et, euh, et euh, Merlin. Je laisserai Kondogbiam euh, verrait tout au milieu pour être solide, etc. Je changerais peut-être un peu plus en attaque. Enfin, ça, c'est juste mon avis perso. Bonjour à Isaac. Euh... Bienvenue à toi. Euh, le Bibs, on se tape cet arbitre qui avait déjà arbitré le match catastrophique versus le Panin. Et oui, c'est sympa. C'est l'arbitre roumain. Euh, alors je ne vais pas euh, écorcher son, son nom. Euh, c'est Kovacs, je crois. Mais euh, je vais retrouver ça. Notre ami Istvan Kovacs, euh, qui avait arbitré le match aller, qui avait donné un carton rouge. Euh, Très limite à Kandogbia et un sifflement pénalty assez sévère. Donc euh, oui, on a un arbitre euh, qui nous laisse pas des bons souvenirs. L'OM a d'ailleurs euh, envoyé une lettre a priori à l'UEFA pour s'en plaindre. Donc euh, ouais, c'est pas un super arbitre. Euh, enfin, il nous laisse pas des bons souvenirs. En même temps, euh, euh, ça lui met un petit coup de pression. Et il va être obligé de faire un peu plus attention euh, à ses décisions. C'est un arbitre qui est assez euh, euh, intransigeant et surtout euh, autoritaire. Voilà, c'est ça le terme que j'ai cherché. Euh, Isaac, tu dis, on fait appel à l'UFA pour, pour l'arbitre. Alors, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un appel, mais en tout cas, il y a eu euh, une plainte. de... L'OM s'est plaint de, de, ce, de cette désignation d'arbitre, en tout cas. Euh, le bib tu dis, pourquoi ça tombe toujours sur nous, l'effort d'arbitral comme ça C'est assez effrayant. Bon, après, il ne faut pas non plus euh, croire que ça tombe que sur l'OM. Je pense que chaque équipe a son lot euh, de, de petits problèmes, de. de de petites difficultés avec les arbitres. Euh, je pense que Nantes, par exemple, n'était pas très content des décisions arbitrales euh, face à l'OM euh, ce week-end. Donc, euh, wesh, il faut relativiser. L'OM euh, va à Villarreal avec euh, 4 buts d'avance. Euh, il faut plus qu'un arbitre qui s'était un peu planté sur un match précédent pour faire tourner ce match. Si l'OM est sérieux, il y, de, il y aura pas de mauvaise surprise, normalement. Bonjour au président des Lapins. Le, euh, euh, toujours euh, top, top, top sur les GIFs. <laughs> euh, Ikicto euh, psychorigide voilà psychorigide c'est pas mal autoritaire psychorigide les deux vont bien euh, oui Et, donc euh, on va voir on va voir ce que donnera Rsterbino mais en tout cas l'OM ne doit pas laisser filer ce match c'est hyper important euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, notre ami euh, Marcelino euh, ses petites déclats d'avant match je peux vous les lire euh, nous allons profiter de ce match de cette Troisième victoire consécutive en Liga, ils ont battu ce week-end le bétis 3-2. Nous devons rassembler notre courage pour le match de jeudi. Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters et nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment. Nous devons gagner pour que nos supporters ressentent ce désir et ne disent pas au revoir avec. et dire au revoir avec une victoire s'il le faut. Les joueurs montrent cette fierté et ce désir. Nous avons quatre jours pour. Espérons et espérons que beaucoup de supporters viendront. Cela pourrait être le dernier match euh, en Europe, mais nous devons essayer. Donc voilà, ils ne s'avouent pas vaincu et surtout, euh, ils lancent le match en disant que clairement, euh, Villarreal veut, veut, gagner, veut gagner ce match-là, même si la qualification semble compliquée pour eux. Euh, Villarreal veut gagner ce match. Euh, donc voilà, on va bien voir. Euh, après, euh, l'OM. Euh, ne doit pas y aller euh, en se disant « on a 4 buts à défendre », l'OM doit y aller en se disant euh, « il faut qu'on marque des buts, comme ça on est certain d'avoir la qualification ». Tu marques un but, il faut qu'ils en marquent 5 euh, pour une prolongation, ça devient intéressant. Euh, Mister Teddy, tu dis « on n'a jamais entendu les Nantais sur les cartons rouges potentiels qu'ils auraient pu recevoir ». Non, mais c'est toujours pareil. Tu sais, l'arbitrage, c'est toujours subjectif selon dans quel camp tu es. Euh, moi je trouve que la faute de, de Mbemba sur, sur Simon elle est, pas, elle est pas elle existe mais elle est pas suffisante pour moi pour suivre les pénaltys. les mains tu peux avoir un petit doute je pense que si ça avait été l'inverse on aurait quand même chouiné un petit peu donc il euh, faut aussi être honnête je pense par rapport à ça le BIF tu dit ils ont gagné 3-2 à Séville, doublé de Sorlotte. D'ailleurs, Sorlotte, qui était remplaçant face à nous, c'est ce qu'on disait hier avec Franck Passy et, euh, et Jean-Charles de Bono sur le plateau, c'était quand même étonnant qu'il ne qu pas face à, face à l'OM. Est-ce que c'est cette histoire de, de virus et que tout le monde a chopé une gastro Je ne sais pas, on verra. En tout cas, il ne faudra pas prendre ce match à la légère, ça c'est sûr. Euh, faire le 2-0 à la mi-temps pour les tuer et faire tourner euh, la Team pour dimanche contre Rennes. Ben, je pense que Isaac c'est plutôt un bon programme. Euh, je, euh, effectivement, si tu arrives à, à, être, à être solide, euh, parce qu'ils sont censés attaquer ce match euh, fort, à te mettre un gros pressing, si tu, euh, si tu les tues direct en contre et que tu prends euh, un peu un avantage, même s'il y a un zéro à la mi-temps, tu peux un peu faire tourner déjà. Hein. Euh, il faut qu'il marque 5 buts en demi-temps, ça paraît fou. Quoi. Bonjour à TPR, bienvenue, bonjour à Amis du foot il euh, y avait un autre thème que je voulais euh, évoquer avec vous parce que j'ai vu que ça faisait pas mal réagir euh, euh, un petit peu sur, sur X euh, euh, c'est les déclarations de Stéphane Guy sur Balerdi alors ça c'est bien parce qu'il y a toujours des, des camps euh, des camps qui sont opposés par rapport à, à Balerdi, alors je vous relis ce que disait Stéphane Guy euh, où est-ce que je l'ai il faut que je le retrouve euh, notre ami Stéphane Guy disait euh, Si on commence à penser que Leonardo Ballardi est un défenseur qu'il faut pour un club comme l'OM, c'est qu'il n'y a pas d'exigence. Quand je le vois défendre contre Brest, où il se fait enrhumer par. Euh, par. comment il s'appelle euh, le buteur Bon, j'ai oublié. par Lesmellou, je crois. Euh, J'espère qu'il ne défendra pas comme ça contre Lens ou Rennes. Vous allez manger votre chapeau. Nantes est inoffensif, normalement, mais a eu beaucoup d'opportunités. Il n'y a pas de différence avec Gigot. Avoir Balerdi, c'est un point faible pour une équipe comme l'OM, c'est mon avis. Voilà, donc ça c'est l'avis quand même très tranché de Stéphane Guy, qui est un peu plus neutre d'habitude, mais là-dessus il a un avis très tranché. Euh, avant de vous donner mon avis, j'aimerais bien avoir le vôtre. Que pensez-vous de Balerdi Est-ce que pour vous, avoir Balerdi titulaire à l'OM est synonyme qu'il y a un problème dans cette OM euh, Donnez-moi votre avis sur, sur Balerdi, parce que forcément je ne suis pas d'accord avec, avec Stéphane Guy. Euh... Merci Jofac euh, de me soutenir bon mardi, je te... toi aussi. Euh... Euh, moi, je vais vous donner mon avis sur Balardi. Balardi, c'est un joueur qui est arrivé très assez jeune à l'OM et surtout jeune euh, en, en termes d'âge. Il était assez jeune. Il reste encore, ça reste encore un jeune joueur, mais il était assez jeune. Mais surtout, il était jeune en termes d'expérience, c'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup joué jusqu'à présent au pro. Il est arrivé, il avait que quelques matchs, euh, dont des matchs en milieu de terrain euh, avec Dortmund. Donc il est arrivé, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Euh, les premières saisons avec l'OM ont été clairement problématiques parce que euh, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs de, flagrantes surtout, beaucoup de grosses erreurs, soit d'inattention, soit de, de fautes euh, dans la surface, qui de, des penalties, des cartons rouges, des erreurs qui, qui, qui amènent des buts derrière. Et donc du coup. Euh, c'était impossible de voir quelles pouvaient, euh, qu pouvaient, qu pouvaient être les qualités de Balardi, parce que le prisme des erreurs était tellement énorme que ça cachait toutes les qualités qu'il pouvait déjà montrer, à savoir une belle vitesse de course, un défenseur assez rugueux, avec un bon pied pour la relance, donc des qualités qui sont intéressantes dans le football moderne. Malheureusement, il gâchait toutes ces qualités par des erreurs flagrantes. On peut constater depuis deux saisons que petit à petit, il gomme de plus en plus d'erreurs. Il y en a encore. Il est loin d'être parfait. Il y a encore des erreurs, mais il y en a de moins en moins. Et euh, je connais plein de détracteurs de, 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 de Balardi parce que je, je pense que c'est difficile d'oublier toutes les erreurs qu'il a pu commettre, et tu, tu du coup, tu, tu perds la foi en ce joueur. Tu te dis qu'on euh, ne sera jamais serein avec un défenseur comme ça. Je, je peux l'entendre. Mais le fait est que, par contre, il faut regarder les matchs. Et il faut se rendre compte que Balardi, il progresse. Euh, oui, euh, il se fait éliminer comme un bleu euh, face à Brest. Et ça lui arrive encore d'avoir des petits moments d'absence. Euh, il fait une énorme faute, par exemple, sur Sorlotte face à Villarreal, qui donne un énorme coup franc. Il n'y a pas but derrière, heureusement. Mais c'est encore ce genre d'erreur de, qu'il qui, qui, qui paye de temps en temps. Mais... Euh, si on sort de ça, on peut se rendre compte qu'il a pris de la confiance. Il est beaucoup plus euh, serein en termes de placement, en termes d'intervention. Il est solide dans les duels. Il va vite. Il a un bon pied. Un des, pour moi, c'est un des, meilleurs le meilleur relanceur en passe longue dans l'effectif défensif que l'on a. Donc je ne comprends pas. La, je trouve que c'est un joueur qui progresse, euh, qui va peut-être à bientôt arriver à maturité, qui donc va devenir un bon défenseur. Euh, je ne comprends pas qu'on puisse dire que Balerdi, c'est comme Gigot. Euh, Gigot, ce n'est pas le même âge et ce pas les mêmes qualités. Euh, je ne dis pas que Balerdi va devenir un, un crack, mais, mais Balerdi, c'est quand même un joueur de talent qui progresse. Il, il a 25 ans. Il a eu 25 ans euh, en janvier. Donc ça reste, euh, pour un défenseur central, je pense qu'il va bientôt atteindre l'âge de maturité. J'espère qu'il ne partira pas tout de suite. Ou alors, si, si tu es obligé de le vendre, vends-le pour un gros montant. Mais euh, c'est un joueur qui... Qui progresse c'est pas parfait je me je suis pas en train de m'enflammer à dire balardi c'est le plus fort c'est le meilleur défenseur non non, non. balardi c'est un, un défenseur de 25 ans qui progresse et qui est euh, qui est intéressant je trouve de plus en plus intéressant il faut qu'il gomme complètement toutes ses erreurs mais ça progresse stéphane guy exagère complètement euh, mais non mais on peut répondre au fur, fur, furia loco euh, arrêtez de se baser sur la presse parisienne euh, qui nous déteste stéphane guy son avis perso euh, qu'il se taille en pointe. Voilà, On pas je suis pas d'accord avec Stéphane Guy. Après, ça ouvre un, un dialogue. Moi, c'est un prétexte, la déclaration de Stéphane Guy. Ça permet de parler de, de Balerdi et de, 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 de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Balerdi Bonjour à Valentina, qui est arrivée. Euh, le but il est monstrueux, Balerdi, quand il va signer à la Juve, à Manchester United, vous verrez. Bah, moi, j'espère qu'on va le voir, surtout à l'OM, que l'OM va va le garder et qui va continuer à progresser chez nous. Il progresse, clairement, il progresse. Moi, je trouve que c'est un joueur qui, euh, qui fait de moins en moins de conneries, il en fait encore, c'est pas parfait, mais c'est de mieux en mieux. Euh... Furia Loco, tu dis, Balerdi est rapide, dur sur l'homme, il est bon dans la relance, il a le vice et le sens du trucage, il est en progression. Voilà, je peux être que d'accord avec toi, Furia Loco, c'est exactement ce que je pense. Et je ne dis pas que c'est un joueur parfait et je ne vais pas rentrer dans les délires. Balerdi, c'est The GOAT, c'est le meilleur défenseur. Non, non, non. Euh, Balerdi, c'est un bon défenseur de 25 ans qui a des qualités qui progressent et qui a encore des défauts à améliorer. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est la réalité. Ami Dufou, tu dis Balerdi est en très grande forme avec Mbemba et Meite. Ils forment pour moi un trio complémentaire avec un des trois qui rattrapera toujours l'erreur de l'autre. mais ben, C'est ça qui est important c'est que là, tu as, as retrouvé un peu un collectif et que, et que du, du, comme tu le dis, il y en a toujours un pour attraper l'erreur de l'autre. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que tu as cette collecti ce collectif, euh, cet état d'esprit de se battre les uns pour les autres. Euh, ça, c'est aussi ça l'évolution de l'équipe depuis que, que Gatuzo est parti. C'est étonnant, hein, d'ailleurs. Gatuzo, c'est peut-être la qualité qu'on attendait qu'il amène à l'équipe. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, au-delà de l'effet gassé, il y a aussi une prise de conscience des joueurs, euh, clairement. Bonjour à Papi. Gaffion qui vient d'arriver, euh, Ligo, Ligo Dingo, tu dis, Balerdi vit, vit sa saison de la maturité à l'OM, dans les propos de Stéphane Guy, euh, ce sont de l'acharnement. Oui, je pense que c'est un peu une fixette, Alors, on a tous des fixettes, et c'est difficile euh, d'y arriver, mais d'enlever de, de, nos fixettes, moi par exemple j'ai une fixette sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Veretout, mais euh, j'essaye d'être honnête et de reconnaître quand il fait des bons matchs, et moi je trouve que c'est un joueur important, c'est un titulaire indiscutable aujourd'hui à mes yeux, pour autant, j'ai encore des petits trucs où je, je reste fixé. Par exemple, face à Nantes, je trouve que, que verrait tout au moment où l'équipe était ultra dominée, aurait dû se montrer davantage pour mettre le pied sur le ballon, etc. Ah, j'attends davantage. Mais si je suis exigeant avec certains joueurs, comme je peux l'être avec Aubameyang par exemple, c'est parce que je sais que c'est des joueurs qui peuvent faire mieux. Euh, quand les joueurs, je les trouve pas bons, ben, pff, je fais même pas de fixette. Je sais que c'est c'est pas très bon et j'attends plus grand-chose d'eux. Euh, Mister Teddy, tu dis tous les défenseurs font des erreurs, même Nesta, Prime ou Maldini. Non, tu as raison, tu as raison. Mais après, il faut pas que ça soit trop récurrent. Et eh ben, dit, on sait très bien que c'était ultra récurrent. Euh, ça va de mieux en mieux, et j'espère que ça qui va qui continue dans ce sens-là, parce que je trouve que c'est est un garçon qui, est, qui a plein de qualités. On l'a dit en termes de foot, mais il a aussi une grosse autre grosse qualité, c'est que mentalement, il n'a pas lâché avec tout ce qu'il a mangé dans la tête et euh, parfois à juste titre, parce qu'il faisait des erreurs incroyables. Euh, le mec il n'a jamais baissé... Il a toujours euh, baissé la tête, il a tout, tout le temps euh, euh, continué à bosser, il a tout le temps euh, euh, été sur le terrain, les coachs lui ont toujours fait confiance, c'est qu'il apporte plein de choses, c'est un, un joueur intéressant même mentalement. Kit, welcome. Euh, tu dis, ne pensez-vous pas que la méthode gassée commence à devenir prévisible ben, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu restes un petit peu sur ce match un peu compliqué face à Nantes. Je sais pas si c'est la méthode. Je pense que c'est surtout les joueurs qui commencent à tirer un peu la langue euh, physiquement et que tu, tu le sens bien que s'il y a moins de courses, euh, moins de mouvements moins d'agressivité sur le porteur, moins de pressing, c'est plus facile pour l'adversaire forcément. Et c'est ce qu'on a vu face à Nantes. Franchement, pour moi, face à Nantes, c'est surtout un problème physique que j'ai vu. J'ai vu un, une équipe qui tirait la langue et qui avait du mal à, à reproduire ce qu'elle avait fait depuis 4 matchs, parce que physiquement, euh, l'enchaînement en, des efforts était un peu plus dur. Euh, qui tu dis euh, Lorsque Nantes a changé de tactique, Gasset n'a pas bien répondu dans ces changements. Penses-tu que c'est une limitation euh, tactique ou bien juste la fatigue des joueurs ah. Euh, je je t'ai répondu déjà en disant que pour moi il y avait quand même une grosse part de fatigue des joueurs, mais je suis d'accord avec toi sur le constat du changement tactique. Je, je pense qu'il aurait peut-être dû changer un peu plus vite et je, je n'ai pas forcément été hyper fan de, de ce changement Onana contre Ogbia, mais euh, j'ai appris entre temps euh, que euh, notre ami Unai avait eu une petite alerte et donc a priori il n'était pas disponible pour ce match-là. Donc je comprends un peu mieux ce choix-là, parce que moi j'aurais plutôt fait rentrer Ounaï, euh, Parce que vu que tu subissais le pressing de Nantes, on a peut-être besoin d'un joueur OK qui n'est pas forcément ultra rapide, mais euh, qui sait tenir la balle. Et ça, ça nous aurait sûrement fait du bien au milieu. J'attendais tout là-dedans. Mais finalement, euh, il a mis euh, Kondogbia Onana et Veretu est monté un peu d'un cran. Donc du coup, euh, Veretu un peu disparu euh, du paysage. Ce qui est dommage, ça n'a pas empêché de, de faire un contre et que Kondogbia adresse une merveille de passe pour. Euh pour euh, Obama voilà, je pense que Kondogbia il est en forme. C'était bien de laisser se reposer, mais j'aurais aimé un peu des joueurs qui gardent un peu la balle au moment où euh, Nantes pressait haut. Ça, tactiquement, il a mis peut-être un peu de temps à réagir, mais il avait quand même des absences et je pense qu'il doit jongler avec la fatigue et les joueurs euh, un peu moins euh, en forme euh, physiquement. Il doit un peu économiser certains, certains joueurs importants. Euh, Ami du foot, tu dis inquiet d'une remontada espagnole Franchement, euh, non, je suis pas inquiet, mais ça veut pas dire que. Que, que je suis totalement sûr de mon coup. Euh, je, je, pour moi, tu dois passer. Il faut juste que l'OM soit sérieux. Euh, si l'OM est sérieux et ne laisse pas euh, Villarreal emballer ce match, il n'y a pas de raison. Quatre buts, c'est énorme. Donc il faut que tu sois sérieux. Il faut que tu sois sérieux et que tu, si tu peux marquer un but assez rapidement, et que, histoire de calmer l'envie les, 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 des, des, des Espagnols, je, je, ça sera bien. Il faut y aller pour, pour jouer, il faut y aller pour marquer, sans forcément, tu ne vas pas partir à l'abordage, tu as 4 buts d'avance. Mais il ne faut pas y aller pour bétonner, quoi. il ne faut pas y aller pour dire on, on va bétonner, on va défendre. Non, non, non. Moi, je pense qu'il faut jouer normalement. Gassé, c'est un coach qui aime avoir la balle, qui aime jouer au, au ballon. Il faut continuer à jouer comme ça, il n'y a, a pas de raison de changer. Euh, Mister Teddy, tu dis c'est surtout la sortie de Gay aussitôt qui est plus incompréhensible. C'est vrai, c'est vrai. Après, est-ce que euh, euh, il sort Gay pour euh, je sais pas. C'est vrai que Gay faisait plutôt un bon match. Euh, J'aurais. Est-ce euh, qu'il voulait pas aussi donner du temps de jeu à, à Onana? Il y a une si une gestion de. De, 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 de joueurs parce que Onana, si tu le fais pas rentrer là, il peut pas jouer jeudi parce qu'il est pas qualifié, tu le perds peut-être un petit peu donc il euh, y a, a peut-être aussi des gestions comme ça. Mais je suis d'accord avec toi, gay faisait un bon match, il aurait mérité de rester un peu plus longtemps sur le terrain. Et TPR qui répond à, à ami du Foot qui dit Je pense qu'il faut essayer de faire tourner en, en essayant euh, d'être euh, le plus compétitif possible. On a une baisse de régime contre Nantes euh, et avec les échéances à venir, Rennes, Paris, Lille il serait judicieux de faire un turnover ben oui, moi, je suis, comme je te disais je, je serais d'accord de faire un turnover offensif à la rigueur, mais je garderais quand même ma base défensive et milieu de terrain pour être solide euh, pour avoir la maîtrise du ballon à la rigueur, si tu mets Mumbagna devant euh, tu peux peut-être euh, rentrer à Luis Enrique, j'en sais rien mais tu peux faire un peu tourner ces postes là, mais je ferai pas tourner les autres postes t'as économisé Klaus et Merlin et Kondobia c'est pour les faire jouer jeudi euh, après, ils pourront enchaîner euh, en jouant aussi face à Rennes, parce que euh, après, tu sais que c'est une trêve internationale et qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir un peu euh, souffler. Euh, Furia Locaux, tu dis question. Personnellement, j'adore Longoria, mais j'aimerais l'entendre plus euh, s'imposer sur les coachs qu'on a eus et qui ont fait déjouer notre équipe. Lui, l'équipe, il la connaît depuis plusieurs années et les coachs qui veulent créer des nouveautés en se prenant pour Copperfield ou en se butant sur des fausses certitudes, à un moment, c'est bon. Longoria devrait des fois imposer des choix aux coachs quand le coach dérive. Alors, je pense, euh, personnellement, qu'un euh, président et, et, et surtout son directeur sportif quand vraiment euh, un duo comme ça doivent définir précisément une politique sportive. Donc, comment tu veux que l'équipe joue, euh, et tu dois recruter des coachs en fonction de ça. Si tu ne fais, si fais pas ça, c'est compliqué derrière. Et euh, le, 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 la critique que je pourrais faire à Pablo Longoria, c'est que depuis qu'il est arrivé, il a pris des coachs très différents. Et je ne vois pas le, la continuité en termes de politique sportive. Euh, sans Paoli, c'était beaucoup de maîtrise de balle. Euh, euh, il a voulu euh, changer de... quand Saint-Paul n'est pas resté, il a dit bon, je vais partir sur quelque chose de plus physique et un jeu plus direct avec avec Tudor. Moi, je trouvais ça l'idée inté... était intéressante parce qu'il a pris aussi des joueurs plus expérimentés, plus physiques pour jouer avec des champions. Mais euh, une fois que Tudor ne reste pas, tu dois rester là sur ce tu dois rester là-dessus. Tu dois trouver un coach qui qui joue en 3-5-2 avec un football agressif, un pressing haut, etc. Et non, tu changes complètement, tu vas chercher Marcelino qui joue en 4-4-2 à plat euh, qui prend le temps de construire etc, euh, ça marche pas du tout derrière tu vas chercher Catouzo qui euh, joue en 4-3-3 euh, euh, mais l'animation offensive on voit pas trop où ça va, enfin euh, à mon avis à un moment donné il va falloir définir comment tu veux voir jouer l'équipe comment l'OM doit jouer et après tu choisis un coach qui fait jouer l'équipe comme ça, et si ce coach là s'en va tu prends un coach qui fait jouer l'équipe comme ça encore, et donc du coup comme ça les joueurs ben, même si tu vas faire un peu de turnover, tes joueurs, ils connaissent le système, ils connaissent la mentalité et ce que tu veux faire dans le club. Ben, moi, je, je trouve ça intéressant de construire aussi euh, une équipe comme ça et tu fais jouer les jeunes de la même façon. Et quand les jeunes arrivent, ils connaissent les systèmes. Fait que enfin, les, beaucoup de grands clubs fonctionnent comme ça. Et ça paraît logique. À voir si, euh, si ça peut évoluer comme ça. Euh, L'Angoria est le président de l'OM. Clairement, moi, je le, je, pense, je le pensais sur le départ. Euh, J'ai l'impression qui euh, qu se qu'il essaye de, de, de se requinquer. De, de ce qu'on entend à l'intérieur du club, c'est qu'il est quand même un peu isolé par rapport à un, à un certain moment. Je ne sais pas trop où ça va aller. Il y a encore quand même quelques doutes, moi, sur la, 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 la suite euh, en termes de, de direction. Euh, Amidifou, tu dis, vous pensez que le ramadan ne va pas aider pour la récupération et le physique des joueurs. Euh, en quoi tu penses que le ramadan peut aider euh, je pense que c'est compliqué un peu le ramadan parce que pour les, tous les joueurs qui sont musulmans ça, ça oblige à décaler un petit peu euh, peut-être des séances euh, de devoir euh, tu, tu manges pas et tu bois pas quand même tu bois pas aussi c'est ça qui est dur là il fait pas trop chaud encore c'est peut-être une période moins difficile c'est sûr que ramadan dans les périodes chaudes euh, l'été c'est encore plus dur euh, je sais pas si c'est une période de récupération je, je vois pas comme ça je pense que pour des joueurs habitués euh, au ramadan c'est pas forcément un problème si tu aménages correctement les entraînements. Mais euh, pour le reste, non, pas, je vois pas ça comme un, une, un moyen de, de récupérer. Furia Loco, tu dis tapis imposer des choix à ses coachs. Euh, Olas, euh, considéré comme un grand président, le faisait aussi. Ouais, mais je ne sais pas si c'est pas un football qui n'existe plus, ça. Le, le fait que le président euh, décide de, de comment tu dois jouer. Je peux le voir peut-être à Naples de temps en temps, mais mis à part là, euh, je ne suis pas sûr que ça, que ça existe vraiment encore. Est-ce que ce n'est pas un football des années 90-2000 qui n'existe plus vraiment Par contre, tu dois définir une politique sportive claire. Et je trouve que ce n'est pas vraiment le cas à Marseille. Alors, Benfica, je ne dis pas, tu dois prendre un tutorbis. Euh, je dis, tu dois prendre un... Si tu définis une politique sportive où tu veux jouer en 3-5-2 avec, euh, avec un pressing haut et un jeu assez direct, tu dois prendre un coach qui va jouer comme ça. Et, et en fait, c'est juste définir ta politique sportive et prendre un, des coachs qui correspondent. Tu peux pas euh, prendre un coach et dire bon, bon qu'est-ce que tu veux faire Ok, tu vas jouer comme ça, donc maintenant on va se baser sur ça. Mais le coach s'en va, qu'est-ce qu'on qu fait derrière On repart de zéro. Et c'est ça le problème, c'est que normalement le coach ça fait partie. Euh, ça, tu peux construire longtemps avec un coach, mais si le coach s'en va au bout d'un an, deux ans, il faut que tu euh, puisses euh, garder ton effectif en partie et continuer à construire et avancer et, et à faire progresser les joueurs. Euh, Matinino, tu dis quel est le rôle de Benatia Car je ne sais pas ce qu'il apporte au club. Ben, un, il a un rôle. Alors officiellement, c'est un conseiller. Euh, ça ressemble quand même à un directeur sportif, son rôle. Il fait le lien entre l'effectif et la direction, en gros. Il va beaucoup discuter avec les joueurs. Euh, il a beaucoup de réseaux, donc il s'occupe aussi du mercato. Euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui s'occupe de la gestion de l'effectif en accompagnement de, de l'entraîneur. Euh, c'est quelqu'un qui travaille sur le mercato pour placer des joueurs, pour recruter des joueurs. Voilà, en gros, c'est le travail de, de Benatia. Lopo Dodo, tu dis salut Nico. Euh, As-tu vu, comme moi, les réminiscences du jeu de Gattuso en seconde période face à Nantes, c'est-à-dire des joueurs qui avaient la tête sous l'eau, montrant des signes de nervosité. Bon, les joueurs étaient émoussés physiquement, mais ça ne m'a pas du tout plu de voir ça. J'espère qu'à la première défaite sous Événement événement inévitable, vu le calendrier, euh, les joueurs ne plongeront pas à nouveau euh, dans les têtes. C'est intéressant ce que tu dis et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la deuxième mi-temps, euh, c'était flippant parce que tu sentais que physiquement tu n'y étais pas. Ce n'est pas une petite excuse, c'est quand même une réalité. Mais j'aurais aimé effectivement qu'il y ait des joueurs cadres, euh, comme Veretout, je le redis, Veretout, en plus c'est un joueur cadre et c'est un joueur euh, qui a le niveau technique pour le faire, viennent chercher la balle, mettre le pied sur le ballon calmer un petit peu le pressing Nantais, reprendre la possession du ballon, etc. Il a fait rentrer Kondogbia, qui a fait du bien à la récupération, mais euh, j'avoue que j'étais un peu déçu par cette attitude un peu de panique, où on s'est retrouvé à rebalancer des ballons dans tous les sens, euh, alors qu'il n'y avait, avait pas de stress. Quoi. Et, euh, je suis d'accord avec toi, il va falloir faire attention à ça en tout cas. Qui tu dis, vois-tu Balerdi euh, rester à l'OM Sinon, quelle politique appliquerais-tu Le vendre pour réinvestir ou bien le prolonger euh, bah c'est une bonne question. Déjà, est-ce que Balerdi le contrat euh, Je me souviens plus jusqu'à quand il est sous contrat. Notre ami Balerdi. 2026. Donc là, ça veut dire que à la fin de la saison, il lui restera deux ans de contrat. Et je pense qu'effectivement, c'est c'est un moment clé. Euh, c'est soit tu le prolonges maintenant, soit tu commences à te demander est-ce que tu vas pas le vendre vu qu'il est en progression et que je pense qu'il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Je pense que c'est un été important pour lui, par rapport à ça. Excusez-moi, petit mail. J'espère Qu que ce n'est pas une, une grosse info qui tombe. Non. Alors... Euh... Ami du fou, tu dis, il y a la rumeur qui est tombée comme... Pourquoi Marcelino aurait empêché de jouer euh, le duo sanchez -Obame Yang pour son 4-4-2 Est-ce qu'il a raté le meilleur duo depuis ces dernières années bon, C'est sûr que sur le terrain, vu le, la saison d'Alexis de, 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 Sanchez et les statistiques de fou d'Obamayang cette saison, tu te dis, euh, ça paraissait à, à, assez alléchant sur le terrain. Maintenant, c'est pas une rumeur, c'est une info RMC. Et, euh, il faut, euh, il faut quand même se méfier de, de la com de, du club. Euh, après, je, je, je comprends que Marcelino, euh, c'était pas le profil qu'il voulait, il voulait un joueur de profondeur. D'ailleurs, il en voulait deux puisqu'il a, il a fait venir Sar aussi. Euh, mais j'ai l'impression qu'en termes de, de salaire... Euh, est-ce que l'OM pouvait vraiment se permettre de prendre le salaire d'Aubameyang plus celui d'Alexis Sanchez Moi, je peux avoir un doute là-dessus. Tu me diras, ils ont pris le salaire de, de Correa, euh, qui, est, qui est un peu en dessous, mais qui reste un gros salaire. Mais euh, voilà, est-ce que tu aurais pu avoir Alexis Sanchez à la place de Correa je pense que tout le monde dirait que euh, oui, ça aurait été une bonne idée. Maintenant, est-ce que réellement c'était possible J'ai quand même un peu l'impression que c'était une fois qu'Oubame est arrivé, et ça, ça ressemble quand même à un choix de, de Marcelino en termes de profil, euh, en tout cas, euh, ben, le, le, le dossier euh, Alexis Sanchez, ça, sentait un peu plus, euh, ça semblait un peu plus compliqué. Euh, Benfica, tu dis, il y a la pré-saison pour préparer l'équipe tactiquement. Je vois pas pourquoi l'effectif pourrait pas jouer en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Là, ça marche avec Gasset, et tant mieux. Mais je pense pas qu'il soit le plus grand tacticien que l'on ait vu. Ah non, moi je suis d'accord, hein. je dis pas que Gasset c'est exceptionnel. Hein. Gasset, il, il a remis les joueurs à, à l'endroit. Euh, en termes tactiques, c'est pas, pas fou. Après, là ce qu'il fait, euh, c'est pas inintéressant, parce qu'il compense le fait de, quand il a pas Clost d'avoir un faux latéral droit qui est un défenseur central. Euh, du coup, c'est un faux 3-5-2 un, avec une, un, une espèce de, de, de boîte au milieu de quatre joueurs. Donc, en l'occurrence, deux milieux défensifs, Veretout, Kondogbia, avec deux joueurs un peu euh, libres, euh, Ndiaye et Harit, qui se déplacent beaucoup. Euh, et il y a Sar, qui a ce couloir droit et le latéral qui peut un peu monter. Donc, si le latéral euh, gauche monte un peu plus haut euh, au niveau de Sarr, tu te retrouves en 3-5-2. Euh, si le latéral vient défendre, euh, tu es en 4-3-3. Enfin, voilà, c'est un truc qui bouge. Euh, c'est pas inintéressant. En tout cas, tu sens que Gassé, surtout, il s'est adapté euh, à son effectif et aux qualités de, de son effectif. Euh, Lico Dingo, tu dis euh, La période de ramadan tombe pendant la trêve internationale du 18 au 26 mars 2024. Le ramadan va juste. Impacter les matchs contre Rennes, Paris et Lille en championnat. Oui, ça c'est tant mieux, tant mieux. Parce que comme ça, ça permet aux, aux musulmans de, de pouvoir faire le, le ramadan un peu, un peu plus tranquille avec moins de matchs. C'est une, une bonne chose, je trouve. Euh, Benfica, tu dis Balerdi. soit tu le vends cet été, soit tu le prolonges. Moi je suis plutôt d'accord avec ça. Kit, euh, tu dis Ez, je trouve que ça serait un bon coach. Euh, « Avis partagé par TPR et par moi ». Oui, et ça peut être intéressant. Alors là, on a vu passer des, des noms de coachs. Bon, on a vu Dugarry qui, qui militait pour Galtier. Il euh, y a RMC qui évoquait donc le nom de, de Galtier aussi, mais aussi le nom de Fonseca qui sera en, en fin de contrat avec le LOSC. Euh, moi, j'aime bien aussi ce, ce profil de Fonseca. Ça me plaît pas mal. Le Galtier aussi, je trouve que le profil est intéressant. Euh, donc euh, ouais, on verra, on verra, a priori, euh, en tout cas, Gassé ne, ne, ne fera pas plus que, que sa mission. Donc euh, on changera de coach encore euh, à la fin de la saison. Mais si c'est bien préparé, si tu sais où tu, veux, où tu vas, ça peut être intéressant. Benchika, tu dis, j'aime beaucoup Fonseca, oui, moi aussi. Moi j'avoue que c'est un, un peu un de mes favoris. Donc euh, on, verra. on verra comment ça, tout ça va se goupiller. Là, le loss, c'est intéressant. Leur façon de jouer, ils ont un petit problème de réalisme offensif, même si euh, Jonathan David a un peu retrouvé le chemin défilé. Mais euh, c'est plutôt euh, pas mal ce qu'il ce qu propose. Qui tu dis si Gasset n'empile rempile pas Ah voilà, tu, tu mets Francaise. Ouais, Franck le, le, le gros défaut, c'est qu'il est sous contrat avec euh, une équipe qui marche plutôt pas bien. Pas mal, pardon. Euh, Corben, tu dis... Euh, Je suis mort. Ceux qui disent que Gasset devrait faire si... Cela, euh, le mec gérait des effectifs qu'on jouait encore avec notre caca. Mais il y a derrière leur télé avec leur bière, ils pr se prennent pour des Mourinho. Euh, oui, bah alors euh, Corben, le truc là, c'est qu'on ne dit pas Gasset fait ceci, fait cela. On peut avoir aussi un avis sur le match et se dire que... L'OM a manqué de maîtrise et qu'on aurait aimé voir d'autres changements. Mais euh, encore une fois, ce que je disais, par exemple, le match euh, de, de Nantes, euh, face à Nantes, pardon, euh, je pensais que Unai était disponible. Mais en fait, il n'était pas. Donc, euh, forcément, tu fais aussi des analyses avec euh, ce que tu vois euh, quand tu es coach d'une équipe. tu as toutes les informations. Chose que euh, nous, euh, suiveurs ou euh, supporters qui, qui regardent les matchs, nous n'avons pas l'état de forme des joueurs, les petits bobos, euh, etc. Donc ça, ça change tout effectivement sur une vision d'un match. père, tu dis Gasset n'est pas un grand tacticien, mais un entraîneur d'expérience qui sait quand son équipe est dans le dur et qu'il doit faire des changements. Par deux fois, ces changements ont apporté. Oui, moi je pense que tu ne peux pas euh, faire une leçon de science du foot à, à Jean-Louis Gasset, qui, euh, qui est dans le football depuis longtemps. Hier, euh, sur euh, le plateau de Bafoot de, de Marseille, on avait Franck Passy, et euh, il nous a raconté que quand il a commencé à jouer au foot, il avait 17 ans, Gasset était euh, le capitaine de son équipe quand il jouait à Montpellier donc euh, il dit mais ça, vous ne vous rendrez pas compte de l'expérience de, de Gasset et ce, ce mec là a toujours travaillé dans le foot euh, a toujours analysé le foot étudié le foot depuis donc il a une connaissance assez énorme que ça soit tactique ou même en gestion d'effectifs gestion de joueurs donc c'est ça qui est intéressant je, je pense effectivement que Gasset est un très bon choix pour cette mission de, de sauver la saison euh... G, GMS, tu dis, il y a une option d'achat pour Ganduser à l'Azio Oui, il y a une option d'achat et, et elle sera levée. Euh, Lico Dingo, pour ceux qui militent pour will Seal à l'OM, ça ne se fera pas, il est attendu à Sunderland cet été. Non, de toute façon, Wilsteel, il s'est vendu pour aller partir en, en Angleterre. Donc, euh, non, Moi, je ne milite pas pour Wilsteel, de toute façon, je ne dis pas que c'est un mauvais coach, hein, mais l'OM, je ne pense pas que ça soit c'était la bonne destination. Benfica, tu dis Galtier, c'est la fausse bonne idée, je pense. Non, moi je pense que ça peut être une bonne idée. Euh, c'est quand même un, un pur marseillais qui connaît bien la ville et qui connaît tous les aspects de, de ce que représente l'OM. Euh, ça peut être une bonne option. Moi je ne suis pas contre Galtier. Furia Locaux, tu dis, si on accroche la quatrième, voire même la troisième place, et du coup la Ligue des champions, on prend quel genre de poste pour continuer à grandir euh, Et pas de réponse, ça dépend du coach. Moi je veux que ça dépende de Longoria. Ouais, après euh, je suis obligé de te dépendre de te répondre, ça dépend du coach parce que ça dépend comment tu vas jouer. Mais euh, forcément pour moi une des priorités ça sera de prendre un défenseur central euh, expérimenté de, de haut niveau. Euh, Mbemba Balerdi c'est c'est très bien là ce qu'ils font en ce moment, mais je pense qu'il faut un joueur encore au-dessus et euh, il va falloir que tu euh, que tu euh... Moi je suis pas convaincu par Garcia, euh, il va falloir trouver un autre latéral gauche. Euh, puis euh, sûrement devant, hein. devant, moi je, je pense qu'un créatif euh, ça ferait quand même du bien euh, en plus, donc euh, voilà, ça fait déjà trois postes. Euh, TPR, tu dis que contrairement à Gatouzo, Gasset fait des changements au moment opportun. Bah, il a beaucoup plus de. de il sent ils sont beaucoup plus le, le coup en, pour l'instant. C'est sûr que euh, maintenant on va arriver dans le dur, là. ça va être intéressant. Il y a ce match retour face à Villarreal qu'il ne faut pas rater. Parce que là, si tu, si tu te qualifies pas pour l'écart, c'est une humiliation. Euh, et derrière, avant la trêve, t'as Rennes. Et là, tu Rennes, Paris, Lille, Nice. C'est là où on va voir. Là, on, va, on pourra juger vraiment de ce, de ce qui va se passer. Kitty Milite pour Maxence Lacroix. Euh... Tu verras, Mister Teddy, euh, Galtier, il a, il a eu une offre. Oui, il allait au PSG et ok, ok. Après, on en a vu d'autres. Hein. Aller dans des clubs euh, qui ne supportent pas forcément. Euh... Mais je peux te dire que Galtier est un vrai supporter de l'OM. Il a, il a mis ça de côté, mais il a eu une offre euh, euh, pharaonique de, en termes de salaire pour aller à Paris. Euh... Moi, je n'étais pas content de voir Galtier à Paris. Hein. Je sais, en, vu que c'est un pur Marseillais, ça me faisait un peu mal au cœur. En plus, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Euh, voilà. Benfica, tu dis, j'aime bien Merlin. Moi aussi, Moi, je trouve ça pas mal. Mais il lui faut un vrai remplaçant. Moi, Gar Garcia, je, je trouve que c'est limité, quand même. Lico Dingo, tu dis, Galtiel OM, j'y crois. La propagande Dimeco et du Gary va le desservir. Euh, ouais, bon, je sais pas si ça va le desservir. On verra. De toute façon, c'est pas eux qui décident. Euh, Sos Afro Samouraï, comme défenseur central, il y a Diego Carlos, l'ancien Nantais, qui n'est plus titulaire à Aston Villa. Bah, j'aime bien ce genre de bon plan mercato. Défenseur assez solide, assez rugueux, j'en garde plutôt un bon souvenir. Pourquoi pas, c'est pas mal comme idée. Euh, qui tu dis Question, quel joueur de cet effectif ne t'ont pas convaincu ceux, que tu donnerais, ceux à qui tu donnerais une seconde chance, ou bien voir partir de l'OM le, le premier que je fais partir, c'est Correa, direct. Avec son salaire de dingue et, euh, et ses prestations, euh, je je, c'est le premier que je sors. C'est le premier que je sors de l'effectif. Euh, après, euh, c'est toujours pareil. Comment tu vas jouer Ça dépend comment tu joues. Euh, selon ton système de jeu, est-ce que tu vas avoir besoin d'ailier Est-ce que tu vas avoir besoin de, de milieu un peu plus axial etc Mais euh, ouais, le premier que je sors, c'est clairement Coréa. Je le sors. Euh, J'ai un doute sur Garcia. Je ne sais, sais pas s'il est vraiment le niveau. Euh, après, euh, j'aimerais bien garder Gay. Onana, je, je le laisse partir. Euh, à la fin de son prêt il aura dépanné un peu mais je ne suis pas non plus hyper emballé par, par le profit du joueur et après tu as peut-être des joueurs si tu n'as si pas la place euh, peut-être que je laisserai repartir aussi louis Enrique, qui a fait des entrées sympas mais je ne je trouve pas ça non plus exceptionnel euh, voilà donc ça c'est les joueurs que je, que je laisserai partir Jigo, j'ai peut-être un peu des doutes aussi, euh, est-ce que Jigo remplaçant c'est intéressant, je ne sais pas, à voir et après, des joueurs que je, à qui je veux donner une seconde chance, euh, bah, Pap Gay, ouais, j'aimerais bien lui donner une, une deuxième chance s'il prolonge. Euh, bah, Ilimanandja, bien sûr, ça, moi, je veux le voir évoluer. Peut-être euh, Sar qui en ce moment euh, se bat. C'est encore brouillon à mon goût, mais c'est pas mal. Euh, voilà, je pense que j'ai pas mal répondu à ta question. Correa, c'est un prêt où il appartient à l'OM. Euh, qui c'est -ce qui me disait ça? Benfica, non, non, c'est un prêt. C'est un prêt. Et si l'OM en Ligue des Champions, par contre, je crois qu'il y a une option d'achat obligatoire. Ce qui peut être un peu flippant. J'espère qu'il y a une histoire quand même de nombre de matchs joués parce que... Sinon, ça va être compliqué. Euh, la meilleure preuve que Galtier est un vrai supporter de l'OM, c'est son lapsus corporel comme Inoski a marqué la victoire du parc euh, La victoire en Coupe de France. Ouais, c'était plutôt drôle ça. Euh... Furia Loco, tu dis, un joueur qui crée devant moi, euh, qu'on se positionne très vite sur euh, elamin Amoura de l'Union saint gilloise Si on le prend et qu'il est step up chez nous, ça devient un transfert à 40 millions d'euros. Ouais, alors écoute, je ne suis pas suffisamment le champion de Belgique Belge, pour, mais j'ai euh, bien, entendu, euh, parler, enten, bien entendu, entendu parler de, de Amoura. Euh, pourquoi pas, écoute. Ah! Ça c'est intéressant. Monsieur Botani qui me dit ça serait intéressant de revoir un peu Soglo comme remplaçant de Merlin parce qu'il nous a montré des choses qui donnaient envie de le revoir sur le terrain. Oui. oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que Gattuso l'a un peu trop éliminé du, du game. Ça c'était un des points positifs de notre, ami, de notre ami Marcelino qui avait donné un peu de chance à des jeunes comme lui et MG. Donc ouais je suis d'accord avec toi. Soglo à revoir. Tu dis quid de Henrique, restez pour Gattuso, qui, au final, part. Ouais, ouais il fait des petites entrées en jeu de temps en temps encore. Il est intéressant par, par sa vitesse et il va un peu plus vers le but qu'avant. Mais moi, je trouve que ça reste limité encore. Je suis pas hyper emballé par ce joueur. Euh, qui tu dis pourquoi, euh, au lieu de chercher à nouveau latéral gauche, pourquoi ne pas faire confiance au Clos oui, oui. On vient d'en parler effectivement. Euh, je le retesterai bien euh, en fin de saison. Pour voir si ça peut être effectivement une doublure. <laughs> Lico Dingo, tu dis une cinquième chance pour ma vie Je crois que à ma vie, ça sent la fin de carrière. Le mec a été blessé aux deux mollets, je crois. Il n'a pas joué une seconde avec, euh, avec Brest. Le mec, il est sur le podium hein, quand même. Euh, Théo Pascal, tu dis un gardien. ouais, pourquoi pas. C'est vrai que euh, c'est pas toujours parfait euh, pour Lopez. Je ne sais pas ce qui va se passer en termes de gardien. Il y a Simon qui arrive en... en fin de contrat, qui est blessé. Je ne sais pas. Mister Teddy, tu dis Moi aussi, je dois aller chercher mes enfants. Bonne fin de journée à tous et vivement jeudi. C'est ça. Vivement jeudi. Bah, euh, moi aussi, je ne vais pas tarder. Hein. Dans, un quart euh, dans moins d'un quart d'heure, je vais aller chercher moi aussi. Donc, euh, pareil, pareil. On est pareil. Euh, bonne journée à toi et à bientôt. Euh, Didier, tu dis euh, Correa me fait penser à Lucas Ocampos. Lucas a mis du temps avant de s'imposer. Ouais, mais tu crois que vraiment qu'il va s'imposer Après, il euh, y a une grosse différence entre Correa et Lucas Ocampos. Enfin, ça c'est mon avis. Hein. C'est que euh, au Ocampos, il n'était pas bon, mais il courait. Euh, Correa, il donne l'impression qu que ça ne l'intéresse pas, en fait. Qu'il n'est pas concerné. Et c'est plus l'attitude que le niveau, moi, qui m'inquiète. Enfin, le niveau m'inquiète, mais l'attitude, c'est ça qui est compliqué. Le plus pour moi. Salut Chris, ouais, bienvenue. Euh, Alfredo, tu dis salut, tu ferais jouer Kondo, verrais tout. Euh, tous les deux, je dis ouais, moi je ferais jouer les deux parce que je veux, je veux cette calife donc je, je ferais jouer les deux. Euh... TPR, tu dis Amoura, c'est déjà bon à Ines Setif. Ah, ben Arfa est libre sinon, ouais, ah, il est libre, mais je pense qu'il va le rester. Qui euh, okay, tu me dis question est-ce que Faris Mbanya t'inquiète bah, ce qui est inquiétant c'est son temps de jeu qui est un peu euh, qui aide pas à se développer je trouve je trouve qu'il a fait des bons débuts il nous a fait quelques entrées sympas je pense qu'il mériterait de jouer un peu plus euh, là il faut faire tourner un peu parce que Aubameyang c'est une machine mais Aubameyang je lui dis je serais gassé moi je lui dirais écoute tu euh, tu commences sur le banc face à VRL c'est ta compète ok mais tu commences sur le banc et 60e tu rentres et tu auras une demi-heure pour claquer et un doublé. Euh, ça, ça me paraît pas mal. Ou alors, l'inverse, tu lui dit Ok, je te mets titulaire, mais tu joues pas plus de, 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 de 60 minutes. Euh, je pense que là, il faut pas qu'Obameyang joue l'entièreté en, du match face à Villarreal et qu'il soit en pleine forme face à Rennes. Euh, on a Verni côté arbitrage versus Nantes, et du coup, je pense qu'on va se prendre la foudre sur les cinq prochains matchs de championnat. N'oubliez pas, les, les arbitres ont une influence sur les classements de ligue. Non, faut pas, faut pas faut penser comme ça. Faut pas espérer, en tout cas, j'espère pas. J'espère que ça va être bien arbitré et qu'on va gagner, qu'on va battre Rennes, Lille et Nice, et peut-être pourquoi pas accrocher le PSG euh, dans les règles de l'art. Tu dis Correa n'a même pas envie de s'imposer mais moi c'est ce que je ressens. Après, est-ce que c'est vrai Mais c'est ce qui c'est ce que ça montre. matignon, tu dis Correa, il n'est pas à son poste. Oui, mais c'est pas parce que t'es pas à ton poste que tu dois avoir cette attitude là, tu vois. Ça justifie pas tout. Didier, ouais, c'est gentil de dire que c'est pertinent. Après, c'est juste mon avis. Moi, je le ressens comme ça. C'est pas un mauvais joueur courir, mais l'attitude, attitude, moi, elle me pose problème. Euh, qui tu me dis, est-ce qu'on peut faire une place au milieu pour Soglo ben, euh, pff, Là, t'as du monde avec les recrutements euh, avec le retour de Gay, euh, Onana dans la boucle, euh, euh, Rongé qui va revenir après la trêve, normalement, etc. Ça va être difficile au milieu d'avoir une place pour lui, je pense. Euh, Tes pères, tu dis, Nico, je suis pas Ben, je connaissais plus, euh, <laughs> plus de joueurs de Brest. <laughs> non, je sais, je sais, je sais. Euh, T'inquiète. Euh, Alfredo, d'ailleurs, l'arbitre de jeudi, c'est celui horrible du match à du Panama. Ouais, ouais, on en a parlé en début de, de live. Euh, ouais, c'est sympa. Bon après, quand t'as qu'un but d'avance, même si t'as eu un arbitre bidon euh, et, et autoritaire et psychorigide, comme on disait, je pense que tu dois gérer le match avec, avec ou sans cet arbitre-là. Euh, Ami du foot, en Europa, vous êtes plutôt à vouloir un tirage favorable ou un tirage compliqué pour les émotions Mais c'est exactement la question que j'ai posée à Franck Passy. Alors, je n'étais pas totalement d'accord avec sa réponse, mais c'était son avis, hein, c'est chacun son avis. Je lui disais, euh, Il lui disait vu qu'il reste quand même pas mal de gros, euh, autant prendre vraiment un très gros, genre Liverpool, et euh, ramener beaucoup d'émotions euh, au stade, et peut-être euh, pouvoir après ensuite se concentrer sur le championnat. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que tu dois jouer, euh, tu dois gérer la compétition à fond. Alors, c'est pour ça que je lui ai dit mais si tu bats Liverpool, euh, l'année où on va en finale avec Drogba, tu sors des, des gros clubs. Euh, bon, Liverpool, ça paraît compliqué cette saison, mais. Mais euh, moi je serais plutôt pour avoir un, un, une affiche sympa, parce que quoi qu'il arrive ce sera une affiche sympa. Il faut d'abord passer Villarreal, hein, attention, il ne faut pas oublier ce match-là. Mais si tu bats Villarreal, enfin si tu, pas, si tu te qualifies aux dépens de Villarreal, euh, moi j'aimerais bien éviter vraiment les, les Bayern et les Liverpool. Mais euh, tu vois, si tu prends une équipe, euh, euh, un Milan ou un truc comme ça, c'est un, un truc difficile, mais qui n'est pas impossible non plus, parce que ce ne sont pas des équipes qui sont dans la forme de leur vie. Euh, moi, j'ai envie de vivre ces émotions-là, ouais. Voilà, ben, qui euh, tu dis, faut prendre l'AC euh, Milan, voilà. euh, Qui tu dis, Liverpool émotion ils vont nous fumer 5-0 à domicile, <laughs> on aura des émotions. Ouais, moi, euh, Liverpool, je voudrais pas tout de suite, euh, moi, je serais plus pour, pour un Milan, un Benfica, ou euh, un truc un peu comme ça. Euh, Furieloco, locaux tu dis on voit qui tu veux en Europa on veut un avion. <laughs> euh, Lico Dingo tu dis euh, on sait que le Milan AC, Liverpool Bayern et l'AS Roma sont victorieusement qualifiés. Dans, dans, dans les autres matchs j'aimerais un Rangers. Ah Rangers ça peut être un bon euh, revival des années 90. Benfica, West Ham ou Fribourg. Rangers ou Benfica. Ouais. Je suis plutôt sur ce mode là parce que tu auras... Un, un peu d'espoir de, de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe et ça serait beau quand même. Vu la saison dégueulasse qu'on qu qu vit, ça serait quand même énorme. Déjà, de valider la qualif, à arriver en quart, ça serait top. Et si tu passes encore un tour, à arriver en demi, là, et là tout est possible après, quand tu te rapproches des demi, ça devient des matchs un peu fous et il euh, y a du beau monde. Donc euh, je pense que ça peut être une très très belle fin de saison. Il euh, ne faudrait pas que l'OM... Euh, parce que là, j'ai écouté un peu l'after et Riolo, là, il commence à nous préparer à un gros échec euh, et des regrets. Euh, ça peut arriver, effectivement. Mais euh, c'est vrai que si tu te plantes ta fin de saison là, en Ligue 1, que tu perds contre tes concurrents directs et que finalement tu restes euh, 7-8ème euh, et que tu te fais direct sortir en, en Coupe d'Europe, la fin de saison va être triste. Mais tu peux aussi rêver d'une saison un peu, un peu flambante. Quoi. Rangers au Fribourg, ce serait abordable. Déplacement Rangers, ça serait énorme. J'avoue que si, allez, il ouais, faudra que je vois avec ma femme quand même. Mais si euh, l'OM passe le tour et affronte les Rangers, j'ai bien envie d'aller en Écosse pour ce match. J'avoue. Je pense que je pourrais me, essayer de m'organiser pour faire le déplacement. Ouais, euh, Rangers, c'est vraiment un truc qui m'exciterait. Euh, revival des années 90, euh, l'Ecosse, euh, ouais, ouais, ça serait sympa ça. Retour à domicile, ouais. Si on passe en quart, on joue le match aller à la maison ou ça dépend du tirage Je crois que ça dépend du tirage, Alfredo. Euh, Monsieur Botanique, tu dis autant vivre les émotions contre un Liverpool en demi, au moins, histoire qu'on finisse au moins dans le carré final, voire final, imaginons un quart liverpool bayern on peut rêver. Ouais, bah oui, bien sûr, on peut rêver. Euh, et tu irais à Dublin bah, euh, ouais, Je ne sais pas si je pourrais me faire accréditer. Les finales, euh, j'ai le souvenir d'une finale euh, en 2018 où euh, Mourad, Ben et moi, on, on avait demandé nos accréditations à l'UFA. On les avait eues et bizarrement, euh, trois jours avant le match, ils nous avaient niqué nos accréditations. Donc, euh, les finales, c'est compliqué quand tu as un petit média comme Football Club de Marseille. Pour des finales. Les autres matchs, ça, ça va. Mais les finales, c'est dur. Euh, Fribourg pour euh, montrer à Lens qu'il est meilleur en Europe. C'est déjà le cas avec Rennes. Euh, pas mal. Euh, Lico Dingo, j'ai une stat pour toi. La dernière fois qu'on a eu trois équipes françaises en quart de finale, l'OM est allé en finale 2004. Ok, c'est pas mal, ça me plaît comme stat. Maintenant, euh, on n'a pas encore trois équipes en quart. Hein. Enfin, L'OM n'y est pas encore, il hein. faut, faut attendre jeudi soir. Nico va finir par euh, dans un pub écossais à chanter à tue tête. C'est possible, c'est une, une éventualité qu'on qu peut retenir sur une veille de match. Je, plus, euh, je suis plus jeune comme avant, euh, je fais moins les, euh, ce genre de soirée, mais je, peux me, je pourrais me laisser tenter en Écosse. Euh, Indy, tu préfères perdre contre une équipe comme Rangers ou une équipe comme Liverpool ah ben je préfère perdre contre une équipe comme Liverpool, mais euh, disons que contre les Rangers, je pense qu'il y a une possibilité de, de passer, même si c'est, je dis pas que c'est sûr, tu vois, mais je dis que tu peux y croire un peu. Roma, Bayern, Milan, Liverpool, euh, on va se rencontrer à un moment donné. Oui, ben oui, oui. Enfin, si tu passes les tours, quoi. Si tu passes pas les tours, non. 20 ans après, c'est le moment. Ouais. Moi, je veux bien aller en finale, car j'en ai marre qu'on les perde. C'est vrai. Il y a une, une question de, de chat noir. Benfica va s'occuper des Rangers ce jeudi, c'est possible. Euh, en même temps, tu t'appelles Benfica 39, donc je pense que es un peu orienté. Euh, mais euh, Benfica, euh, ils sont pas un petit peu euh, la tête à l'envers depuis qu'ils ont pris une tolle par porto, ça les a pas un peu euh, ça leur a pas un peu fait mal quand même. Parce que moi j'ai halluciné de ce de ce résultat. Si on prend les trois points à Rennes, Lille et Paris, enfin même si euh, je dirais plutôt Rennes, Lille et Nice, hein, je pense qu'on peut éclater n'importe qui avec cette euh, confiance en place. N'importe qui, faut pas exagérer, Didier, quand même. Je pense qu'il y a quand même un gap euh, entre, entre des équipes euh, européennes euh, moyennes euh, et des cadors comme Liverpool ou le Bayern, tu vois. Euh, Tirage intégral, on connaîtra l'écart à les demi. Oui, exact. Les émotions, on n'est pas euh, le petit poussé. Je veux les plus faciles possibles tant qu'on arrive en finale. Ouais. Après la finale, moi, j'y crois pas encore. Déjà. Obtenons ce, ce quart, ça serait déjà une, une belle chose. <laughs> Benfica n'a rien montré contre Toulouse, on est à chier complet. Ouais. Voilà, donc euh, c'est bien ce qui me semblait, Benfica. Euh, donc c'est pour ça que j'avais mis Benfica, Rangers. Euh, Benfica, c'est toujours compliqué, mais là, c'est pas, le, pas la, le bon moment en ce moment. Mais après, les matchs, ça sera euh, dans un mois, je crois. Donc il y a le temps de, de, de changer la, de la dynamique. Euh, si on gagne, imaginons, rêvons, l'Europa League, quelle sera l'excuse des autres supporters pour ne pas nous considérer comme le plus grand club français. Ouais, on peut rêver. Euh, TPR, tu dis enfin Benfica, chez eux, contre les Rangers, c'est à 2-2. Là en Écosse, pas sûr qu'ils soient les, les meilleurs. On verra. Ça va être intéressant à suivre. Hein. Benfica en demi pour la revanche des années 90. Euh, on fait 2-2. À l'aller, tout va se jouer à Glasgow. Ça va être sympa, les gars. En tout cas, Rien que de parler de ça avec vous, je trouve ça excitant. Ça, il, me tarde, il me tarde jeudi qu'on se, qu se, qu se fasse ces petits matchs-là. J'avoue que je suis presque plus hypé par l'Europa League que par la Ligue des Champions. C'est dingue. Hein euh, bon, allez. Euh, sur, ces, euh, sur ces paroles, je ne sais pas si elles sont belles, mais en tout cas, c'est sur ces paroles. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une, une belle semaine. Euh, on se retrouve. Enfin, ce ne sera pas moi. Retrouver Ben et Ryan avec des invités euh, jeudi pour vivre le match en live et le débrief avec eux, ça sera en studio, et on se retrouve euh, jeudi, euh, pardon, jeudi ça c'est ben, ben, et on se retrouve vendredi, nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne YouTube, et euh, les vidéos un peu spéciales, vous allez voir, et on se retrouve dimanche aussi pour Rennes avant la trêve internationale, et lundi on fera un débat foot Marseille avec Jean-Charles de Bono. passez une bonne semaine, il fait beau aujourd'hui euh, en Provence, un peu de vent quand même, alors, je vais aller chercher mes enfants j'espère que tout va bien pour vous et euh, ouais. allez merci ciao ciao